Merci, asseyez-vous. Madame la Gouverneure, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le directeur de cabinet, les membres de mon cabinet, l'honorable sénateur Louis Joseph, Mesdames, Messieurs les porte-parole, la presse parlée écrite et télévisée, chers invités, jodi a, c'est 6 février, ça fait nous exactement 364 jours. Un an moins 11 jours, 11 mois 29 jours, moins 1 jour, pour faire un an. Et puis, nous répétons seulement devant le représentant peuple, dans le Parlement haïtien. Je me répète seulement pour me respecter la Constitution. Et je me répète seulement pour me mettre l'État au service du peuple. 12 mois après, moi je crois que je dis, hein, le document que nous avons là, c'est plus mal. Moi je ne pas, ouais, la donne par exemple, sans dialyse qui n'a l'hôpital au Fatmayo. Nous avons vraiment grand sans dialyse. Nous avons tapé mal marché dans l'hôpital général. Nous réparer sans dévenant et nous construit trois lotes. Une dans l'hôpital au Fatmayo Kai, une dans l'hôpital au Fatma Port-au-Prince, une dans l'hôpital au Fatma au Cap-Haïtien. Nous n'avons pas de petits problèmes parce que nous connaissons. Changement, c'est sous mauvaises habitudes que agit. Et les mauvaises habitudes ont la vie dure. Mais nous, by peuple, la garantie que nous gagnons information. Nous travaillons pour que le système d'identité pays a, nous gagnons pour le bien marcher. Pour ça fait signe, je vais parler de carte d'identification nationale. Donc, pile. Travail qu'a fait pour que d'ici deux mois, on dit trois, pour nous tomber pour mes sous, j'en nous fait pendant la première année, nous pourrons lancer une caravane d'identification sur tout le pays, dans toute section communale, dans toute commune dans le pays, sur 10 départements pays, pour que tout haïtien, toute haïtienne, capable de gagner un cadre d'identification qui réellement qu'à identifier, vous avez dit, là où il vient dans l'autre pays, avec quatre là, ou capable d'identifier tes tout, parce que son quatre qui va le bon système avec une puce électronique là-dedans, qui va permettre toute information, information personnelle, automatiquement que quatre n'a passé, ou bien ou mettez empreinte pour prendre empreinte digitale, toute information capable de monter avec système ZA, nouveau système ZA que le gouvernement travaille pour mettre sous pied. Donc, pour le travail qui fait dans le pays, que on paye côté ressources, vous voulez parler de ressources financières, vous avez l'argent, pas facile. Un pays côté arbitrage difficile. Le tout bagaille dans le pays a ses priorités. Il est difficile pour faire choix sous priorité. Et c'est ça que fait nous toujours virer tête nous vers la promesse campagne. Promesse que nous avons fait pour nous rétablir l'armée. La médaille est toujours déjà rétablie. Et incessamment, l'état-major intérimaire là n'a pas arrêté pour nommer tout le monde de l'état-major intérimaire là et réparer le grand quartier général que nous connaissons
Lieutenant général là, Gétan, notre grand général là, Kounia, même la réparation est beaucoup faite, même Kounia travaille par eux, qui semblait avec la mise à nous les mettre sous pied dans le pays. On l'a mis qui parle au service du développement, on l'a mis qui parle là pour protéger l'espace maritime nous, espace aérien nous, protéger frontières nous, suivre frontières nous. On l'a mis qui parle là pour jouer le rôle de défense nationale. On l'a mis qui là pour que la police, qui lui-même son corps de proximité avec la population, la police pas capable, par exemple, dans le moment où il y a une grosse catastrophe naturelle, nous te laissons passer le cyclone Mathieu. C'est l'armée paysan minou qui est venu de nous. Mais si nous avons l'armée par nous, ce n'est pas comme ça que tu as pu lever. Je dis à nos bonnes décisions, nous rétablir l'armée d'Haïti. Il y a plus de monde qui est d'accord, mais il y a des gens qui n'est pas d'accord. Mais ce qui est important, c'est la démocratie. Le ou font campagne pour promettre, pour voter, pour promettre, c'est respecter pour mes campagnes. Même gens avec l'État généraux sectoriel nation, nous lançons balle depuis mois août année passée, travaillons en pile pour nous joindre Mounio. Parce qu'il ne faut pas oublier, en Haïti, Mounio peut impliquer dans la politique en pile. Il comprend pour qui ça joue, dis-je. Après, en pile de ma campagne, un résident, je vois pour qui ça que le monde va impliquer dans la politique. Mais je dis à ma dit, le monde qui est dans la majorité silencieuse, là, il y a plus de monde qui est content pour vous. Nous content pour le bel travail, nous avons fait. Mais si pas de bon monde qui était décidé, pour encourager à deux, pour le thé, entrer dans la politique là, nous avons bien droit à Nissa, pas que tout le travail est fait dans le pays. Nous avons bien droit à vivre l'espoir, ça m'a dit aujourd'hui. J'ai moins dit, sous chaque département pays, il faut chaque direction départementale par 5 km route chaque année. D'ailleurs, devant le palais national, l'équipement vient à allier pour nous livrer département l'Ouest, équipement PAL, demain 7 février. Le 8 février, on a livré le département sud-est, équipement PAL. Le 9 février, on a livré le département NIP, équipement PAL. Le 10 février, on a livré le département sud et le département grand-est, équipement PAL. Ça veut dire, non seulement nous avons une grosse unité, on a parlé d'équipement usé, que nous avons plus que 300 équipements qui sont dans le sud, grand-est, NIP et dans la Tibonite, bon parti qui est dans le centre, dans la zone Maïsa. Nous travaillons pour que toute direction départementale de travaux publics gagne un équipement pour compétition, ça nous va le créer dans le pays. Compétition, c'est un match football qui a commencé à partir du carnaval là. Toute direction départementale dans le pays va l'obliger à construire 100 km route chaque année. Et nous allons prendre un an pour nous avoir pour faire ce travail là. Depuis sous 3 mois, ça veut dire chaque trimestre, une évaluation qu'on fait pour si directeur départemental là respecter l'engagement. Ministère de la Défense, avec embryon, unité, génie militaire que nous avons, embryon, ça va commencer le travail en attendant que nous fassions le recrutement pour jeunes garçons avec jeunes femmes rentrer dans la mer pour venir servir le pays. Le ministère de la Défense a banni le coup de main dans le travail d'infrastructure qu'a fait dans le pays. Mais pas oublier, non seulement la direction départementale, qui est même à travail, vous parlez en compétition, nous parlons mettre les mairies en compétition. Tout. Parce qu'en principe, responsabilité commune, c'est sous compte mairie. Magistrat, il y a des promesses qui ont été faites. Le pouvoir central là, c'est non seulement accompagner eux, mais créer conditions pour que la ville soit propre,
pour que façade taille bien peinture, pour que fatra y a vraiment c'est dans ville yo gain système de traitement qui installé qui fait que gestion qui fait de fatra ça yo Haïti après 4 ans avec des indicateurs qui sortent rouge parce que moi l'exemple électricité sous chaque 100 haïtiens qui vivent c'est 12,5 qui ont accès à l'électricité. L'eau potable, c'est 30% de la population qui a accès à l'eau potable. On a la santé. Il y a 29% de pays qui n'ont pas accès à un soin de santé. Ça veut dire qu'il y a 122 sections communales qui n'ont pas un centre de santé là-dedans. Éducation. Nous avons plus passé 10% pour la population. Si les gens qui ont l'âge pour aller à l'école, qui parlent à l'école. Donc, l'effort qu'ils font, ça vient peut-être plus qu'on décide, nous, c'était 25%, je dis à nous à 10%. Mais rêve pas nous, le nous a quitté le pouvoir en 2022, c'est à construire 15 000 salles de classe pour mettre possibilité et créer conditions pour professeurs bien formés, pour nous capables de quitter. L'autre 10% de monde ne sont pas à l'école là pour nous quitter l'école. Travail en pile. Environnement, il y a plus de travail qu'à faire. Au contraire, dans le documentaire là, gagner ZAFEN de coordination caravane, au lieu de 10 méga pépinières, c'est 14 qui vont le faire dans le pays aujourd'hui. Parce que l'étude qui fait, je rends compte. Il faut qu'il y ait 63 millions de pieds bois par année, pas une couverture forestière, une couverture végétale pour arriver à 45% de couverture végétale. Nous avons travaillé pour le programme que nous avons parlé de lui dans la campagne. Côté nous avons dit dans le curriculum de l'école, il faut nous ajouter en matière qui est le reboisement pour tout le monde de l'école obligé de planter pieds bois. Plus que 4 millions de monde qui parlent l'école dans le pays, il faut tout le monde se replanter pieds bois. Et dans le cas de la canne, on matière que le reboisement, on note que le pays fait pour le reboisement, qui pour permettre que le pays a le monde qui a le droit pour aller à l'école, mais il y a devoir pour le planter pieds bois. Dans le même programme, ça, on travaille pour que les paysans qui étaient dans le bassin hydrographique, je ne veux pas parler de gros château de pays. Nous connaissons que Haïti a 5 gros bassins hydrographiques. Nous parlons d'un programme pour que les paysans soient dans la zone sale, qui est toujours à couper pieds bois pour faire charbon, pour nous mettre dans un programme pour planter pieds bois et pour être capable de gérer pieds bois. Ça veut dire qu'il faut nous payer pour planter pieds bois. C'est parce que quand pile projet sur le reboisement dans le pays, en pile zone nous dans l'international, il y a 40 millions, 30 millions. Qui parlait déjà par année pour le pays. Nous avons travaillé pour que tout partenaire nous aille, nous parler avec eux, nous pour nous faire une seule route qui permette que le reboisement, protection environnementale, on a parlé, qui chita sur reboisement, curage rivière, protection ravine, correction ravine, pour nous chita avec partenaire pour une seule route que nous fait route reboisement, route curage avec route protection. Ravine. Nous travaillons dans faire renforcement l'État. Nous prenons exemple 50 jeunes qui vont intégrer l'administration publique, là, qui rentrent dans l'administration sous forme de concours. Ça n'a pas fait quelques jours dans le pays. Nous prenons décision ça, c'est pour que la jeunesse là, les recommencer à croire dans le pays. Parce que les outils à l'école, les filles font classe secondaire dans l'université. Seul rêve, c'est pour le capable de jouer au travail ou bien le fonds business pour le capable de gagner la ville. Maintenant, décision que nous prenons qui cap fait que je dis, au monde pour intégrer l'État, il faut OMRH valider le concours là ou bien lui-même organiser le concours là. Pour qui ça? C'est parce que trois ressources à partir de ce pays. Je dis un fonds de travail pour que les ressources nous fassent arrêter dans le pays.
Nous connaissons que selon la conférence de presse, moi et Assoya, donc les questions qui pourraient le poser, c'est pour ça que je ne suis pas trop long. Si il y a des bagages que nous estimons que je n'ai pas dit, il y a des questions que je m'attends, je ne suis pas là. Pour me répondre, même si je pendant la campagne, la question que je peux répondre, si il y a des questions que nous posons, je ne peux pas répondre, je fais mon compte ça. Et pour me dire, nous, je vais donner la réponse pour nous. Merci un peu. Première année, président. Nous prenons 7 questions. 4 questions réservées à la presse locale et une question réservée à la presse internationale. Chaque question, pas gagner plus, passer 2 volets. Pas gagner plus, passer 2 aspects. Qui je sabra le passé? Ce qui va poser des questions pour identifier tête-li, pour identifier les médias, et puis il va poser des questions pour le président Jovenel Moïse. Soubillon, Téléguinée. Moi, c'est Robert Jean, Radio Télé-Guinée. Je suis un document dans le même lamb, je suis défait et tel, la première pile de temps, même quand on a pile de temps dans la caravane, puisque nous couvrons pile côté président, passer dans la caravane. Mais juste avant, la campagne là, tu as eu le développement endogène, mon yo, soleil, l'eau, terre. Tu as eu une partie qu'on se prend tout à l'heure pour. Bah, je n'ai pas confiance encore. Je dis à autrefois, mon te qu'on a quitté pays à pour problème politique, au printemps de terre, je dis à quitter pays à pour aller chercher la vie meilleure, pour aller travailler. Qui ça, administration a fait qu'on y a là, dans le domaine ça, pour créer stabilité, conditions nécessaires, indispensables, pour gagner investissement qui fait dans le pays à étranger dans le pays à pour capable. Créer travail pour jeunes autour, c'est pas Chili, Brésil, etc. Vous mettez cap. Ça, c'est un élément. Deuxièmement, autour vous dit, plus gros problème pays, c'est corruption. On dit 1, 2, 3, 4, 5, nous sommes capables de tout 10 douettes là, c'est corruption. Et le travail qu'on fait là, dans la caravane, il y a plein de monde qui pose des questions. Mais qui côté caravane? Qui sa caravane est en fait? Qui côté le bras? Bon, c'est là, nous sommes capables de faire une explication. Pour les gens qui peuvent bien comprendre sa caravane. Et puis, comment combattre la corruption, monsieur le président? Est-ce qu'il y a des signaux qui baillent au niveau de l'administration pour là pour les gens tenter de faire corruption pour dire qu'il y a un pari de temps d'accord, plus loin, même font un camp là. Merci beaucoup. On a précisé à tout journaliste qui prend le micro, s'il vous plaît, qui prend poser des questions. Donc, s'il vous plaît, c'est 2 aspects. Merci. Et premièrement, pour me répondre, Robert, Téléguinée, Radio Téléguinée, pas de génération spontanée. Elle dit, je dis, ça m'a regardé qui a passé dans le pays, hein. Jeunesse là qui a quitté le pays. Hein. Il y a plusieurs moments dans la vie nation, ça, que ça a été arrivé, parfois tu as. Je dis, nous gagnons une population, sous chaque 100 haïtiens qui vivent, il y a 70 haïtiens qui pourraient vivre 30 ans. Cela veut dire que nous avons une population qui inquiète de mieux. Et je ne peux vous dire pas une génération spontanée. C'est parce que 30 dernières années, nous choisissons côté nous font politique qui participe. Il y a des fondements, je veux parler des fondamentaux, qui ça état de droit, parce que là, on a parlé d'état de droit, c'est application de loi, premièrement. Mais en fait, comment vous voulez parler de développement sans prérequis
nous voyons, c'est même j'attends cours d'un petit monde pour entrer à l'université et puis il soutenant sixième année. Les clubs bon, pour mon préoccupé petit monde n'a pour entrer à l'université. C'est même genre avec le pays. Et c'est pour ça que nous-mêmes nous prenons une décision ça, pour nous travailler pendant 5 ans, pour nous créer des conditions, le président qui est venu, les cas jaunes en base solide pour construire tout ça besoin construit qui pour permettre que Haïti capable de recevoir quantité petite. Parce que la population est extrêmement jeune. Mon petit monde n'a pas quitté le pays. Mais en fait, j'en ai dit, pour ne pas partir quitter, c'est pour être clair devant nous. Il faut nous créer l'espoir. Et c'est ça, je vous dis. Hein. N'a fait, j'en ai travaillé dans l'infrastructure pour nous créer des conditions pour nous rester dans le pays. J'en ai travaillé pour stabilité. Par exemple, je vous dis, on me fait rencontre avec Atissio. Je ne connais pas si ça te frappe Atissio comme ça. Parce que pas passer musique haïtienne dans la radio, j'aime comprendre ça. Que musique haïtienne manquait parce que dans le club, dans la radio, c'est un gros problème que vous avez. Ça, il dit, c'est état généreux, c'est ça, on va le dire. Au niveau de la presse, problème qui vient, nous ne parlons pas de eux, qui permet que solution nous cherchions ensemble. Crise politique, yo. Politique ici, il y a une élection qui est faite dans le pays, ya. 2 heures de temps après l'élection a fini faite. Résultat partiel là, tout le monde connaît. Pour qui sans élection fini faite? Et puis c'est pourtant 15 jours pour le résultat partiel de l'élection est venu. Et pourtant un mois encore pour le résultat définitif. Ce n'est pas possible. Il faut nous mettre pays à nos standards pour son pays, même Jacques, tout pays sur la terre. L'élection fini faite, 2 heures après, tout le monde connaît le résultat. Ça veut dire, c'est tout. Ça y est, nous-mêmes, je vous dis, on a travaillé pour nous. Remettre le pays à Souraïli, là nous parlons de mettre Souraïli, bonne gouvernance là, extrêmement important pour nous tous de mettre le pays à Souraïli. Parce que au pas capable de dire, on parle de travail et d'infrastructure, et puis maintenant, bonne gouvernance là, nous pas travail pour lui, pour nous améliorer les conditions de la vie, pour mettre l'État au service du peuple à tout bon vrai. Corruption, moi-même, je dis, et me répéter encore, un an après, moi, je vois que les choses graves et tellement graves, je parle aujourd'hui de prévention de la corruption. Moi, je vais parler de lutte contre la corruption encore. Maintenant, il faut nous travailler pour nous faire prévention. Comment comprendre, nous, l'État, le gouvernement, d'ailleurs, le ministre, vous parlez dans la radio, tout le monde entendait. Nous, par exemple, le ministère des Affaires sociales, quelle quantité de chèques qui te gagné, quantité de duplication qui te gagné dans l'État, parce que vous avez 20 000. Nous connaissons au niveau ministère de l'Éducation nationale, dans un an, il a récupéré 78 millions de gouttes. Ministère de Santé publique, tout ministère, c'est un chute libre côté l'argent de l'État. Nous ne pas respecter l'argent de l'État, tu es là pour faire travail pour un petit groupe de monde. Mais, c'est une gaffe avec lui, c'est une persécution politique, une gaffe avec lui. Je n'ai pas fait ni publicité ni persécution politique. Parce que je suis le chef de l'État. Moi, là, moi-même, pour qu'on y a, à travers le gouvernement, l'État. Moi, là, moi-même, pour qu'on y a, à travers le gouvernement, pour nous mettre des balises, j'en sais ce fait là, nous pouvons signer avec le Fonds monétaire international. Mais ça n'a pas empêché nous que nous travaillons. Nous connaissons que dans pile, pression qui fait sous négro sous nous entre eux, ministre finance et prend pile pression, mais en fait, nous pouvons recevoir l'aide dans nos pays amis, parce que nous pouvons signer avec le Fonds monétaire international un an après. Mais ça prend pas bien presque 27 millions de dollars qui m'ont acheté pour dîner pas avec nous, qui permettent pour nous. Commencer à travailler à l'assainissement tout bon vrai pour que DINEPA, Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement, qui t'est tourné un gros. Bon, pas même qu'à disons ONG, parce que DINEPA n'a pas servi le peuple. Après le peuple a fait, l'équipement a beaucoup entré, mais en fait, DINEPA dans la structure, son entité qui l'a permis de l'eau pour le monde, mais DINEPA, il a bien les mains et les pieds liés parce que le patron a eu comme équipement.
Je dis à nous prendre décision pour nous mettre accessoire équipement dans DINIPA, qui permet que je dis nous pouvons mettre direction ça au service peuple. Mais pour le faire, c'est lutte contre corruption. Lutte contre corruption, nous parlons de problèmes dans l'État. Mais lutte contre corruption, elle est très nationale. Tout. On doit lutter quand on dit le mien, combien de corps que écoutez l'État haïtien? 300 millions d'euros. C'est ça le coût. Les gens ne vont pas construire. On a fait exactement le même route là, comme sur le cas où je vais vous affoler. Même route là, pour coûter l'État haïtien 30 millions de dollars. Mais avec équipement, il faut dire que l'État a un équipement et l'État a un bénéfice là. Avait dit, on a dit, équipement, l'État a gagné, que son privé a fait route là. Il a fait bénéfice 200%, au-delà d'un coût de 90 millions d'euros. Bon problème, mais en fait, c'est connu de tout le monde. Au-delà d'un coût de 300 millions d'euros, ça fait que c'est des réalités, je dis, que nous-mêmes, nous, président, administration publique là, gouvernement, administration politique là, pour faire ça. Est-ce que je dis, nous sommes capables de dire corruption? Les batailles, ça nous commence à mener, hein, qui commence à porter résultat. Côté, nous calculer que nous presque économiser plus passer 500 millions d'euros par mois en avril. Pour nous, comme ça, regardez 6 milliards, ou t'as comptabilisé 6 milliards de gouttes par année. Ça fait près de 90 millions de dollars qui peut-être tellement proche des mondes. Il y a des mondes qui sont en prison. Maintenant, dans la rue, il y a des gens qui ont dit que nous avons 27 personnes qui sont en prison pour corruption dans la vie. Mais nous connaissons que les droits humains, tout le monde est présumé innocent. Ou pas cassé dans la presse pour mettre des grosses institutions fermées qui ont changé chaque État. Qui ont fermé que la justice pose ses yeux. Il y a des gens qui ont à la botte qui sont en prison. Ça veut dire que lutte que nous avons menée, sont lutte réelle, mais ce n'est pas. Ou persécution politique. Pour nous parler, nous n'avons pas un pays, pour nous détruire, pour nous faire assassinat, pour nous assassiner le caractère, nous ne sommes pas ça. Nous avons fait lutte. Son prévention est aujourd'hui, hein, après 50 pouvoirs pour nous quitter un pays, côté citoyen, lors pour un job l'État, ou qu'on ait que job la loi faire, ou son sacerdoce que lui. Même j'en ai même un président aujourd'hui. Hein, comment après 5 ans, je suis président et puis je suis fini, vous attendez que je mette des dizaines de millions de dollars ou des centaines de millions de dollars dans la banque. Ça, ça veut dire. Et aujourd'hui, nous sommes clairs pour nous dire que l'État, nous mettons le service peuple là, mais pour le faire, non seulement nous parler de lutte là, mais pour faire prévention contre la corruption. Beaucoup, président. Luc Niagaro. Bonjour tout le monde, c'est Luc Niagaro pour la Directe Métropole. Président, le contexte bilan est un an et une belle perspective qu'on a pour votre quatrième gagné un déficit budgétaire de 5 milliards de gouttes déjà que BRH a avancé le gouvernement. Est-ce que on peut changer de stratégie dans l'exécution projet par rapport à la contrainte de ça qui c'est l'argent pour éviter que nous tombions en 1 goutte à 70 pour dollars? Jean, il commence à déraper à partir de l'office budgétaire. Ça. Deuxième aspect que vous êtes capable de demander, l'autre que nous faisons, il y a des réflexions qu'on a faites sur nous, je le redis, hein, par rapport avec quoi, il y a des gens qui ont demandé, qui estimaient que c'est par rapport à la qualité de l'autre là que le cap coûté aussi bas. Est-ce que vous faites des routes pour 3-4 prochains mois, ou vous faites des routes pour 7-10 ans de 4 villes là? Dans le petit détail sur l'aspect ça, dans le travail. Je commence par la deuxième question, mais on va revenir sur la deuxième aspect question. Parce que vous me dites que, pas de secret, on fait quoi là? Route, c'est ingénieur, c'est le monde qui construit, c'est le laboratoire qui fait analyse. Et pour information, par où? Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics qui en Haïti, là, pas de compagnie privée qui vient faire route ici, pour ce pas laboratoire national qui a un visa, l'étudiant vient faire. Ça veut dire aujourd'hui, le laboratoire national, c'est le même qui a fait études sur toute route qui a construit. Ça veut dire que les gens qui ont un visa, même, c'est le qui a fait études.
Ça, c'est un. Deuxième chose. Construction audio, pour nous clair, pour nous dire, je vais rentrer dans le détail avant. Là, vous construisez un kilomètre route pour faire revêtement un kilomètre route, en moyenne, nous avons besoin de 15 000 gallons de bitume. C'est ça, l'huile asphalte là, j'en peux pas là. Gallon aujourd'hui, coule sous marché international là, il est aussi entre $1.15 et $1.50. Aïe dit multiplier par 15 000, on fait un exercice. Ça va venir $2,500 pour un kilomètre. Gravier avec sable venir dans la rivière. Et le ministère de la Travaux publics aujourd'hui, il y a un document qu'il fait depuis peut-être 10 ans sur les bancs d'emprunt du pays. Elle dit qui côté qui a bon matériau pour mélanger au fait. Ça veut dire des matériaux qui sont testés par le laboratoire national. Là. Même son compagnie privée vient là, c'est le laboratoire national, le ministère de la Travaux publics qui produit, même qui ouvre pour bon matériau. Bon, l'autre exemple. Grelle, usine qui gagne, usine d'agrégat et d'asphalte qui gagne campé. Usine en panne. Bon, l'autre usine qui pipe, une usine privée, c'est le matériau, les gains propagés, il n'est pas bon. Ça veut dire à moins que 2 km dans la rivière, côté grave, ça a placé là, c'est le matériau à bon, à moins que 2 km matériau, ça va. Et dans tout pays, à net, c'est comme ça, lié, ça veut dire l'État, que, donc, pour raison, pour l'autre, nous devons mettre à terre net là, l'État, ça, c'est le gain de toute connaissance. C'est un coup, hier, je me disais, premier mai, comment c'est honoré dans le pays? Ce n'est pas possible, mon a fait trop de bail dans le pays. Je me dis, mais il faut qu'on arrête pour bail, pour protocole bail. Et mon n'y a pas de niveau, de gradio, de pas de bonheur, en pensant que pas de loi déjà. Et puis, les faire recherche, depuis le président Vincent, il y a une loi pour ça, tout le plaque là, c'est commander pour nous commander seulement qu'on y a. C'est-à-dire pour me dire que le pays, il ne faut pas oublier son pays qui a 214 ans d'indépendance. C'est-à-dire que tout le monde qui est en train de travailler. Et la science, c'est ça. Lui. Ça prend une chita sur ça qui fait pour venir avec l'innovation. Elle dit, oui, Dieu, le bon marché aujourd'hui, hein, c'est pas, on, nous pas venir entrer dans une compétition avec le privé. Au contraire, revêtement, nous avons pris le côté, puis bitume, et puis agrégat pour venir, il y a besoin de gaz dans l'usine pour faire le marché. Avec 10 pour 100 km, vous avez besoin peut-être 1000 gallons de gaz pour faire pour agrégat pour 100 km. Avec 10 multiplié, il va combien de prix de gaz là. Et vous avez qui prend le côté. Mais nous-mêmes, nous disons, nous prenons référence. Je dis, là où il y a un mètre carré de béton bitumé, prix standard international, prix mètre carré, c'est hop. $12.50 et $17, nous-mêmes nous offrons 14. C'est ça seulement. Ça veut dire, je dis, un kilomètre de revêtement, l'État qui nous prépare le terrassement, nous disons, c'est $100,000 que nous payons pour faire. Mais, quand les compagnies privées commencent à travailler, au bon droit. Ça veut dire, travail qui fait dans le Cafou Joffre, son compagnie privée qui fait. Travail qui fait dans le Concorde Vaudreuil, son compagnie privée qui fait. Dans le vieux cas, nous avons une rue qui est plus longue. Qui mesure 1,2 km, son compagnie privée qui a fait. C'est-à-dire l'État travaille, compagnie privée qui travaille tout. Mais je dis, il faut nous dire tout, nous voulons ça clair dans la tête tout le monde. Moi-même, dans une réunion que je gagne avec certains entrepreneurs, je fais des réunions particulières avec. C'est une question de monsieur pourcentage qui devient dans l'État. Je dis en gros, pas de monsieur pourcentage dans le ministère des Finances, c'est ça seulement. C'est de monsieur pourcentage, ça veut dire si. Nous avons fait route là, nous fait le crédit, dollar monté, et puis les gens ne sont pas touchés, et puis nous avons demandé le 30% et puis le bénéfice. C'est ça qui est un profit à l'étude. Tout ça, lutte contre la corruption, permet que je dis, hein, nous avons un kilomètre route qui est raisonnable et qui est de qualité. Et nous-mêmes, comme journalistes, nous demandons pour nous regarder, dans tout le travail que nous avons fait, pour nous garder, pour les gens nous garder, poser des questions tout. On connaît comment ingénieur qui a comment il travaille, laboratoire national qui voit lui, ingénieur topographie qui a tout grid pour tout qui ça a fait, faut les gens regarder. Et puis quand on oublie, c'est l'État qui a meilleur cadre dans le niveau ça. Même le ministre central lui a parlé avec moi comment il a cherché les gens pour retirer le cadre dans le comme ça, on va le travail pour que cadre nous dans l'État aujourd'hui, dans le niveau. Infrastructure routière,
4 ça a été. Parce que c'est des bons ingénieurs, c'est des mouns qui bien formés. Par exemple, laboratoire national. Je dis, nous avons dans la faculté des sciences, moi crois que gagner un groupe qui a fait des master 1 et master 2 en génie sciences. Ça veut dire que la boîte nationale a 20 ingénieurs qui ont la formation. Ça veut dire que la boîte va parler en français. Et directeur de la boîte nationale, là, par exemple, son professeur dans l'école de génie pays. Je suis sûr, mais sauf que l'État, je vous le dis, ne pas mettre mon lieu en confiance pour le cap travail, le déficit budgétaire là, et côté n'a besoin de ressources. Il faut nous dire clair, bonne réponse, parce que moi-même, je me pose des questions en tout, que nous déjouons dans le niveau cabinet, dans le niveau gouvernement, dans le ministre des Finances. Le budget a fini voté, il est publié le 1er octobre, il est posté pour la première quinzaine d'octobre là. C'est combien pour aller faire contrat? Ça veut dire appel d'offres lancé. Après appel d'offres là, ou attendre pour qui appel d'offres, qui est-ce qui gagne. Et puis ensuite, pour travailler, commencer. Ça prend 3 à 4 mois. Il faut faire octobre, novembre, décembre, janvier. L'État commence à dépenser l'argent à partir du mois, disons, mars. C'est là que l'État commence à dépenser l'argent. Je veux dire, qui s'est passé? Car avant le changement, tout profite et répond. Parce que question, oh, ben, il y a 3 volets, ça fait me répondre, mais je profite et répondre. Pour me dire que, car avant le changement, budget, c'est même son delivery unit. Caravane qui ça le fait? Caravane son stratégie qui dit que l'administration publique là, il y a des fonctionnaires, le gouvernement il y a des ministres, ministres politiques, président politique, premier ministre politique, mais les administrateurs de l'État, les fonctionnaires, c'est des fonctionnaires qui ont des carrières. Mais eux-mêmes, c'est des mandats que vous avez. Mais vous avez fait, qu'on y a qui ça le fait? Nous mettons stratégie. Nous disons que nous allons augmenter et nous disons dans la campagne. Moi, je te dis que l'État a passé de 10% rendement à 30% rendement. Et ça va pas de nous aujourd'hui. Il faut entendre une campagne. Pour nous entendre samedi, Dieu par rapport à ça, m'a fait. Moi, je te dis que l'État a sorti de 10% rendement à 30%. Ça veut dire, maintenant, travaux publics, environnement, agriculture, nous mettons force sous l'eau pour nous dire aujourd'hui, nous avons ça là, c'est au bout de faire. Il faut qu'on fasse, ou besoin moyen pour faire, nous mettons moyen à disposition pour faire. Car avant, nous n'avons pas de budget qui rubrique notre budget national à créer le caravane. Mais en fait, c'est pour nous dire, pour structurer un marché, nous mettons en coordination sous pied. Qu'il y a des anciens ministres là-dedans, des anciens cadres supérieurs de l'État qui travaillent pour coordonner tout système qui peut permettre que nous respections de l'air, travaillons fait notre temps et travaillons de qualité. Mais en fait, ministère, ce n'est pas un contrat qui a été exécuté, c'est le ministère qui commence à travailler. Un point exemple, c'est j'aime pas sûr. Moi, je pose première pierre, cinquième, j'aime pas cela, dans la fin de semaine. Je vous préciser samedi. Pose première pierre, il y a une qui inaugure, il y a une qui finit, qui peut inaugurer là. Route. Regardez combien de kilomètres route qui asphalte et qui bétonne dans le pays a déjà. Regardez barrage Maro, par exemple, que nous allons déraper. Son barrage qui va avoir un réservoir de 10 millions de mètres cubes d'eau sous lui. Mais tout ça, c'est des travaux que nous avons effectués en régie. Qu'on a mis un coupement ministère de France, parce que jeunes militaires ont commencé par écouter sérieusement dans la zone noire, surtout, dans les travaux. Elle avait dit maintenant, tant que nous ne pas tant. Que c'est à partir d'appel d'offres, ça y est. Parce que l'appel d'offres, il y a là tout. Ça veut dire qu'il y a des travaux pour déraper avec des gens dans le privé à partir de mars-avril. Mais nous-mêmes, l'État, nous prenons. Avec dit déficit budgétaire que tout le monde a parlé, attribué à un dépense que le gouvernement fait qui n'est pas respecté, qui est hors norme. Bah quoi, il y a une situation à la mode, ça. Mais en fait, nous-mêmes, nous, ce qu'on se dit, c'est financer le développement.
Mais pour nous financer le développement, les villes nous viennent nous. Alors, question on a encore, il faut me dire, nous poser question, nous dit deux volets, mais pas après au 3-4. Question on a eu un autre volet là-dedans, c'est le financement développement. Financement développement, nous clés pour nous dire que partenaires nous rencontrer, ça veut dire nous prenons 8 petits gros. Nous voulons parler des partenaires multilatéraux et des partenaires bilatéraux. On parle de multilatéraux, nous voulons parler du système des Nations Unies, de Banque mondiale, de BID et de l'Union européenne. Bilatéraux, nous voulons parler des États-Unis, le Canada, la France et l'Espagne. Avait dit, nous considérons les gens qui sont plus gros, c'est des gens qui dépensent environ 100 millions de dollars ou plus que 100 millions de dollars par année dans le pays. Avait dit, 4 partenaires bilatéraux, c'est dans le niveau ça que vous voyez. Et multilatéraux, c'est parce que. C'est plus que ça, 200-250 millions par année. Elle dit, l'homme a de 8 partenaires de dollars par année. Comme enveloppe sous pays. Nous prenons le Canada, il y a 100 millions de dollars comme enveloppe sous pays. Par année. Ça veut dire, si nous prenons 4 partenaires bilatéraux, presque 10 ou 400 qui viennent sous pays. Eh bien maintenant, je vous dis, le premier ça pour nous faire, c'est pour nous regarder avec nous. Et c'est ça nous commençons à faire. Et nous profitons pour nous tout dire que, par exemple, un partenaire multilatéral dans le BID, comment c'est lui-même, il refait la programmation là par rapport à la priorité. Nous. Maintenant, pas oublier, partenaire, ça a aussi plus gros problème qu'on a. Là, il fait programmation. Programmation, c'est lui, maintenant, c'est exécution. Exécution, maintenant, pile ressources humaines. Et c'est sur ça qu'on a parlé tout pour les gens qui a préparé le projet à temps, qui a fait supervision de travaux. Et c'est sur ça nous est. Mais, en fait, en matière de financement, parce que n'a pas parlé de l'aide au développement, en matière de financement, l'aide là, et je vous dis, nous-mêmes, nous disons, nous voulons le gouvernement pour nous faire que c'est la priorité, nous, que financement y aller. Nous remercions, le président. Nous avons 4 questions pour la presse locale, une question pour la presse internationale. Si vous représentant presse internationale là, qui t'a aimé, merci. Bonsoir, Monsieur le Président. Amélie Baron pour Agence France Presse et RFI. Où t'es parlé, où t'es gagné, volonté, promesse, campagne, là où t'es fait campagne pour électrification 24-24, sous pays, dans 19 mois qu'on y en a. Là où t'as allé en France, dans le mois de décembre, où t'as parlé pour ouvert marché énergétique, là, accompagné étranger, qui le, ou a lancé appel à candidature pour projet ça. Merci. Merci, très belle question. Mon basé fait sous l'autorité nationale de régulation du secteur de l'énergie. Parce que nous avons lancé le premier appel à manifestation d'intérêt pour nous ouvrir le marché pour les petites villes. Là, je parle de petites villes pour nous comprendre. Toute ville, dans l'étude que l'électricité d'Haïti fait à travers le ministère des Travaux publics et ANAC aujourd'hui, toute ville qui a une consommation de moins qu'un mégawatt, nous considérons comme un micro-réseau qui va l'installer pour nous mettre. Il y a 146 communes qui ont un pays, il y a 130 qui ont ça. Ça veut dire que c'est à peine 16 communes avec la zone métropolitaine qui les mêmes besoins, qui consomment 80% de besoins en électricité que le pays a rien. Premier appel à manifestation d'intérêt ouvert, il est ouvert depuis 132 semaines. Deux semaines et bien, c'est 4 semaines. Après 2 semaines, il y a plus rien. Avec tout le monde qui vient, qui est intéressé, donc un pile de monde dans le niveau ça. Je pense que d'ici la fin de mois, pour ne pas dire 20 mois février, appel à manifestation d'intérêt pour gros estomac, gros groupe la bouvée, pour tout pays, y compris la zone de. Il y a plein de thèmes de référence, cahier de charge pour qu'on ait qui matrice énergétique que nous priorisons, dans qui zone. C'est dit, besoin énergétique pour presque 600 MW, la bouvée à partir de fin mois, au plus tard. Beaucoup, Président. Eh bien, n'a pas Sabine. Eh bien, n'a pas Robertson Alphonse. Merci, Martine. Monsieur le Président, bonsoir. Ministre, bien content avec nous. Monsieur le Président, il y a un paquet d'informations partagées là et qui me dit que, en tant que journaliste, des fois, nous souhaitons qu'il y ait plus de possibilités d'avoir des échanges pour nous répondre à toutes les questions. Vous parlez par exemple de route Caille-Jérémy en 300 millions.
Nous t'as rien connaît, nous connaissons ces bits qui financent les. Vous parlez par exemple de 15 000 salles de classe, nous mesurons qui programme de recrutement et de formation de professeurs, direction départementale, 100 km de route par année, combien d'ingénieurs qui ont formé. Donc, il y a possibilité pour que, et vous bâtissez précision sur ça. Mais, Monsieur le Président, et deux questions mieux, c'est deux questions qui ont rapport avec l'actualité. Nous sommes journalistes, nous sommes citoyens haïtiens. Pendant un an que ça passe, vous, le bon étiquette, il est toujours mettez la donne. Il est toujours inculpé. Presque un an après, le juge Brédy Fabien, pourquoi rendre ordonnance? Il y a des gens qui considèrent ça comme une espèce de nuage, il y a des gens qui disent son petit roche dans son lit. Même besoin de comprendre avec nos ports, comment on vit. Et dernière question, M. le Président, qui a un rapport avec l'actualité, ça a un rapport avec le dossier Petro-Caribéa. Au niveau du Sénat, il y a une séance qui est faite. Il y a une séance là. Oh, merci, pardonnez-moi. Oh, les deux. Oh, ok, les deux. Merci beaucoup. Et il y a un sénateur minoritaire, Monsieur le Président, qui est la séance là. Une séance, c'est Champouel. Il dit majorité a rangé Colli pour que, eh bien, pas de lumière faite sous ça. Et quelque part, on dit ça participer dans l'union politique parce qu'à Paris, on te dit pour premier rapport, il y a un système là, où font gens pour faire le freiner. Comme quoi, pas de volonté politique pour faire la lumière sur l'utilisation du fonds Petro-Caribéa. Beaucoup de choses sont dites. Maintenant, je pose la question dans le souci de vous écouter, Monsieur le Président. Merci. Je commencé par l'explication technique. Pour me dire que le lundi, 5 km pour la direction départementale, là, chaque direction départementale, il y a deux ingénieurs topographes, deux brigades topographiques. Ça veut dire qu'il y a plusieurs ingénieurs dans eux et des techniciens. Et il y a des ingénieurs résidents, peut-être plus que quatre. Et puis il y a le directeur départemental, tout technicien. Mais ce n'est pas comme clair, avant c'est des gens qui étaient là, qui ont toujours comme l'État déjà. Toute direction départementale existait, voilà. On n'a pas d'équipement. Moi-même, je suis passé dans Nord-Ouest, c'était une inspiration. Moi, je vois mon opérateur, je me dis, monsieur, depuis qu'il est opéré en l'odeur, monsieur, mes têtes liées en l'air, je n'ai pas songé depuis qu'il est opéré en l'odeur, mais chaque là, je me dis, monsieur, chaque mois. Ça veut dire que toute direction départementale, c'est gagné, ou pas de moyens pour le travail. Et pour faire ça aux salles de classe, vous me dites que vous parlez de 15 000 salles de classe, ça fait 1 300 écoles, nous réalistes, c'est nous-mêmes des PME qui n'ont pas eu. Pour l'école, le ministère de l'Éducation nationale vient d'en bailler trois plans, valider trois plans. On prend un coton de l'école en béton armé, on prend un coton de l'école en bloc, on prend un coton de l'école là, dans le style gingerbread. Et tous les trois écoles, ça y est. Il y a antisismique, mais parasismique, paracyclonique. C'est des modèles, l'école 9 plus 3. Ça veut dire 9 salles de première à 9e année fondamentale et 3 salles de préscolaire. Parce que jusqu'à présent, dans le pays, préscolaire à 100% privé. Ce n'est pas possible pour tout le monde en 26 ans, pas jouer l'école, l'État pour y aller. Elle dit nous-mêmes, nous avons travaillé pour toute construction de l'école qu'a faite pendant le mandat pour gagner 3 salles de préscolaire pour tout le monde à l'école en 26 ans. À partir de 3 ans, tout le monde est à l'école. Formation des professeurs. Nous connaissons le système, nous connaissons que, je veux dire, tout le monde l'a regardé, l'a attendu. C'est un système qui a pile problème, surtout dans le niveau compétences professeurs. Formation continue, nous connaissons le ministère de l'Éducation nationale, donc le gouvernement de la Pérale Souli, qui a même fait une sorte de certification pour professeur après le fin formé. C'est un sanctionnant. Si on a un système, là, il est formé et puis ensuite, il y a une certification. Mais en fait, science de l'éducation, il y a une science. On connaît il y a plusieurs facultés de l'éducation dans le pays aujourd'hui. Hein. Et nous, par exemple, l'État, l'école normale supérieure, il y a un peu de travail qui va être fait pour nous mettre le système d'éducation réellement pour ce bon système d'éducation en l'air. Parce que dans le domaine, ça, nous avons plus de problème. Il faut le dire. Parce que ou un système éducatif en Haïti qui a vitesse multiple. Je dis à double vitesse, il y a plusieurs écoles dans le pays. Elle dit, il faut nous capables de revenir non pas à côté pour payer un bon sur l'école. Mais qui normal, il y a une école pour ressortir sans nous tout payer. Mais en fait, le système, nous avons travaillé pour que mes formations, formateurs, les important pour nous. Maintenant, nous entrons dans deux questions qui viennent de voler. Premièrement, je dis que. Je n'ai pas dit que la justice fait le travail, mais je ne vais pas entrer dans le détail pour dire que je ne vais pas faire. J'aime dire non,
Je vais faire depuis le président. Mais je me dis, l'homme dit non. Caribé, moi je compte en goud. Non, BOC. BOC, je veux un certificat contre en goud. Je veux dire, je compte en goud, c'est en dollars. Ça veut dire, conscience, pas ma conscience équipe, nous tranquille, on attend justice pour nous. N'attend que ça prend le temps qu'il faut. Mais contenons en goutte. Et puis ça, pendant le mandat, pas de personne qui a subi persécution politique sur le mensonge là. Nous pouvons commencer à répondre à la deuxième question. Le bon groupe qui campait pendant une manifestation, à bas journal, faux journal, aller et autres. Et constitution claire, au monde, remis président pour 5 ans. Et puis, vous fomentez un papier. Il y a plus passé 5 ans, gros menti là-dedans. Je dis, bon entité qui est le Cour supérieur des comptes et du contentieux administratif, qui là, les mêmes, les ministres là, qui sont des ordinateurs de l'État, c'est le Cour supérieur des comptes qui l'a débaillé. De qui baille on arrête, c'est soit on yobo on quitus, ça veut dire on arrête quitus, tout bagarre était bien passé, ou bien yobo on arrête de débat, pour dire que ou bien problème, la gestion, arrête de débat, on doit mettre une situation grave, nous mettre dans la prison pour aller, ou bien on permet de corriger ce qu'on peut corriger, s'il y a des copes pour remettre et autres. Même dans quel côté de la constitution qui dit que, parlement, il faut dossier de nous par la justice. Je suis le garant de la bonne marche des institutions, je suis le chef de l'État, le président de la République. Je dis à ma droit pour me protéger chaque citoyen et ma gueule envers et contre tous, jusqu'à ce que madame n'a fini. Parce que nous disons, il y a la victime droit. La victime droit de monde qui a assassiné le caractère. Nous ne pouvons pas entrer dans la politique de pays. Tellement, nous devons la ministre. Est-ce que nous comprenons qu'il misait un président passé pour le ministre? Parce que tout le monde parle de ministre. Encore. Parce que tout le monde perd. Je veux dire, parce que on est que quelque part, on va mettre une étiquette sous deux. Nous-mêmes, c'est pas ça nous faire là. Nous sommes des serviteurs de l'État. Moi, là, je dis comme président, je garantis bonne marche institutionnelle, pas de personne. Tout le monde président. Cap de sécurité personne. J'avais dit midi et me capé d'air. Merci. Merci. Télévision nationale d'Haïti? FIA. Ok. Bonsoir, président Jovenel Moïse et membre cabinet ministériel, le conseil président. Non, pas M. Sabine Jean-Étienne. Je travaille pour Télévision nationale d'Haïti. Et moi, ma chère pile dans le programme Caravane, moi, j'ai un pile projet qui est en cours. Et à fait, en même temps, qui dit projet, dit création d'emplois, dit main-d'œuvre, c'est des projets à caractère, c'est des projets générateurs d'emplois. Donc, pour première année, est-ce que le sous-humain, c'est dans l'État ressorti, combien de taux d'embauche que les ressources dans l'État? Très bien. Ça, c'est une question qui vient sous moi souvent, alors même pour parole, le monde est toujours à poser une question pour nous connaître combien d'emplois que Caravane Jean-Jean a créé. M'a dit que dans chaque côté de l'univers dans le pays, surtout dans les travaux de construction, parce que nous connaissons deux secteurs qui baillent un pile job, bien qu'il y ait l'agriculture, l'autre là, et la construction. Et si on parle de croissance dans le pays, c'est le secteur construction même, c'est les mêmes qui ont un secteur clé côté qu'on est capable de créer emploi. Mais il faut moi dire TNH que je vous dis exact sur combien d'emplois qui crée dans le pays. Parce qu'il faut nous dire en plus d'emplois, c'est des emplois temporaires que avec des analyses extrêmement difficiles. Par exemple, dans Campéré, nous dérivons nos mouvements dans Campéré, c'est Campéré tous nos marchés. Son gros marché, on descend quand on ne marche pas qu'à marcher dans le campé. Parce que tout le monde a travaillé. Mesdames et messieurs, pique Dieu, c'est Dieu. Ça veut dire, parce que font travail comme ça pour mettre 3,2 km en béton hydraulique, c'est un peu main-d'œuvre. Ça veut dire, reste route l'en fait. Parce que route l'en mesure presque 12 km route, mais reste l'en fait en asphalte.
même qu'on partit la donne sans béton hydraulique. C'est un pile job, ben nous pouvons gagner chiffre et au moment opportun, presse la connaît combien de job temporaire et job permanent que Caravane a créé dans le département. Même si vous voulez un point, fait parce que sous question, Robinson n'a encore soit fait de route carré, Jérémy. Ce n'est pas BID seulement qui finance la route là. BID entrée, non, au contraire, n'a fait financement. Faut me dire que financement, nous avons l'État haïtien, nous avons le Canada qui la donne tout. Son route qui était une première entreprise, tout le monde connaît, c'est OAS, qui tape là, qui sont entreprises brésiliennes. Il y a un chiffre à 30 km, 18 km qui était 13 km qui fait la donne, même nous avons fait 5 km qui était après 18. Et puis nous avons gagné Estrella comme on l'autre entreprise, là, qui bit, fait un contrat de 38 millions de dollars pour finir la route là. Et c'est ça qui fait route, ça a moins dit le côté. 300 millions. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République. Ce sont donc les derniers mots du Président de la République dans le cadre de cette conférence de presse bilan du premier anniversaire du Président de la République comme chef de l'État haïtien. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît.